monde. Dans cette séance, on va effectuer un exercice sur les statistiques. Bon, voilà l'exercice. On considère la série statistique suivante, qu'il s'agit d'un nombre d'accidents pendant 10 semaines. Alors, le nombre d'accidents, nous avons 7. 3, 3, 5, 1, 0, 6, 3, 2, 1. C'est-à-dire, pendant une semaine, il y a 7 accidents. Pendant une autre semaine, 3. Pendant une autre, 3. Pendant une autre, 5. Et ainsi de suite. Voilà, je vais figurer dans le tableau le nombre d'accidents. Alors, le nombre d'accidents, il varie de 1 jusqu'à 7. 1, 2... 3, 4, il n'y a pas, donc je saute, 5, 6 et 7. Voilà le nombre d'accidents. Maintenant, l'effectif, c'est le nombre de semaines. Donc, le nombre de semaines. Pour un accident, là, il faut mettre 0 aussi, 0. 1, 2, 3, pas de 4, donc 5, 6 et 7. Voilà le tableau. Alors, pour 0 accident, il y a une seule semaine qui ne s'est passé rien du tout. Donc c'est 1. Pendant une semaine, il y a 1, 2, 2 accidents. Pour 3 semaines, 1, 2 et 3. Voilà. Pour 4 semaines, il n'y a pas. Donc, pour 3 semaines, il y a 1, 2 et 3. 2 semaines, il y a un seul. Une seule accident. Bien, un seul accident. 2, 2. Donc, 1, 2, 3, 3. Alors, je laisse ça vite. Bon, je complète. Alors, 5, il y a un seul accident. Pour 6, il y a un seul. Pour 7, il y a un seul. On fait le total et on va voir l'effectif total. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, non? Nombre de semaines, il n'y a que 10 semaines. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, pour 0 accident, il y a une seule semaine. Voilà, pour 1, il y a 1, 2. Voilà, pour 2 accidents, il y a un seul. Un seul 2. Pour 3, 1, 2, 3. Voilà, pour 5, il y a 1. Pour 6, 1. Et pour 7, 1. Donc, je vérifie 3, 4, 7, 8, 9, 10 accidents. Donc, l'effectif total, c'est 10. L'effectif total correspond à ce nombre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est l'effectif total. Maintenant, on va voir quelque chose de nouveau qui est l'effectif cumulé. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé? Eh bien, le 1 qui est là dans l'effectif, je le pose. J'ajoute 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 plus 3, c'est 7. 7 plus 1, c'est 8. Et 8 plus 1, c'est 9. 9 plus 1, c'est 10. Voilà, on trouve finalement l'effectif total. Donc, voilà pour le cumul, pour l'effectif cumulé. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je pose la question, combien il y a eu... quel est le nombre de semaines où il y a moins de 5 accidents? C'est 7 semaines, c'est-à-dire on fait le nombre qui est plus petit strictement à 8, c'est 7. Donc, plutôt strictement supérieur, inférieur à 5 ici, c'est 7. Donc, il y a eu 7 accidents. Dans le nombre de semaines inférieur à 5.
moins de 5 semaines. Moins de 3 semaines, il y a eu 4 accidents. Moins de 6, il y a eu 8. Moins de 7, il y a eu 9. Voilà à quoi ça sert l'effectif cumulé. Maintenant, la fréquence. La fréquence, on va diviser l'effectif, hein, l'effectif par... C'est pas l'effectif cumulé. L'effectif, 1 sur 10, c'est 0,10. 2 sur 10, c'est 2 sur 10, c'est 0,20. 1 sur 10, c'est 0,10. 3 sur 10, c'est 0,30. 1 sur 10, c'est 0,10. 1 sur 10, c'est 0,10. Et 1 sur 10, c'est 0,10. Le total des fréquences, il faut qu'on trouve 1. Alors, 10, 20, 30, 60, 70, 90 et 100, c'est-à-dire 1. Le total des fréquences, c'est 1. Bon, maintenant pour le pourcentage, on a dit, pour trouver le pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Voilà, multiplié par 100 et on trouve le pourcentage. Donc voilà, le pourcentage, c'est 10%. 20, on multiplie par 100, on recule la virgule de 2 rangs, c'est-à-dire 20%. 10%. 30%. 10%. 10% et 10%. Si on fait le total, il faut qu'on trouve 100%. 10, 10, 10, 30, 30, 60, 70, 90 et 100. Donc le total est 100, donc notre tableau est juste. Voilà. Maintenant, on va effectuer la représentation graphique par bâtonnet ou par barre. On dit par barre ou par bâtonnet. Donc, on va utiliser les barres. On agrandit un petit peu les bâtonnets, ça devient une barre. Donc ici, le nombre d'accidents. Toujours la première ligne sur l'axe des abscisses. Alors, ce sont le nombre d'accidents. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, 5, alors je saute 4, donc 5, 6 et 7. Voilà pour le nombre d'accidents ou bien caractères. Donc, maintenant je fais l'effectif. L'effectif, c'est le nombre d'accidents. Pour 0, il y a combien? 1. Donc, il y a 1 jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je présente d'abord pour 0, c'est 1. Donc, j'agrandis un petit peu mon bâtonnet. Voilà, pour 1. Maintenant, pour 0, maintenant pour 1, c'est 2. J'agrandis un petit peu. Voilà mon bateau, ma barre. Pour 2, il y a un seul. Voilà. Pour 3, il y a 3. Pour 5, il y a 1. Donc, il y a 1 ici, ici et là. 5, non, pas de 4. Donc, 5, 6 et 7. Il y a 1. Donc, voilà pour ma représentation graphique par barre. Et voilà. Maintenant, je fais la représentation graphique par circulaire. Alors, pour circulaire, je vais chercher une bassine pour tracer un cercle parce que je n'ai pas de compas pour ce tableau.
Voilà, j'ai ma bassine. Je vais. Oh, j'ai oublié la brosse aussi. Je cherche la brosse. Je laisse seulement le pourcentage, hein. On a besoin, dans une représentation circulaire, on a besoin seulement des pourcentages. Alors, je trace mon cercle à l'aide d'une bassine. Voilà mon cercle. Alors, je trace un rayon. Je suppose que le centre est ici. Je trace un rayon. Maintenant, je prends le rapporteur. Malheureusement, j'ai une petite. Je vais quand même le faire. Alors, pour le pourcentage, le premier pourcentage, c'est 10 pour A. Avant de tracer les angles, il nous faut les mesures des angles. Alors, les mesures des angles, qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? Alors, je trace le tableau pour le pourcentage, pour les mesures des angles. Ici, c'est le pourcentage. On a dit il y a 10, 20, 20%. Il y a 10%. Il y a 30%. Il y a 10, 10, 10. Et 10%. Voilà. Donc, maintenant pour les mesures des angles, on va multiplier le pourcentage par 3,6. Donc, je multiplie ici par 3,6 et j'obtiens les mesures des angles. 10 fois 3,6, c'est 36 degrés. 20, c'est 72. 10, c'est 36. 30. Alors pour 30, 3 fois 6, 18. 3 fois 3, 9 et 1, 10. 108 degrés. Pour 10, c'est 36. Pour 10, c'est 36 degrés. Pour 10, c'est 36 degrés. Donc, voilà, je vais présenter ces angles ici, sur le cercle qu'on a tracé. Alors, je vais tracer d'abord combien? 36. Alors, à peu près, hein? 35, 36. Voilà. Ensuite, voilà 36 à peu près. Ici, c'est 36 degrés. Ensuite, 72, le double, mais il faut que l'angle soit adjacent au premier. Voilà. Alors, 72, à peu près par ici. Donc, je le trace. Ici, c'est 72. Après, c'est 36. Donc, je trace un angle adjacent au deuxième qui mesure 36 degrés. Donc, 36, 35, 36, à peu près par ici. Il est isométrique à celui-là. Donc, ça, c'est 36 degrés. Ensuite, 108. Alors, 108. Alors, ici, alors, 80, 108, à peu près par ici. Alors, 108. Ensuite, 36, 36, 36. Donc, 36, j'ai
place le rapporteur de cette façon, je mets le centre au centre et non, 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 c'est pas ça. Faut que je mette 0 au milieu. Bon, je me suis trompé ici, mais ça fait rien, on va continuer quand même. Alors 36, c'est à peu près par ici et l'autre par ici, donc il faut qu'il soit isométrique. Alors nous avons 36 ici, 36 ici, et 36 le reste, donc ici c'est 36, comme celui-là, c'est mal fait, mais à peu près, 72, ici 36, 36, 36. Et ça représente quoi? Donc ici, je mets un autre cercle au centre, on appelle ça un angle au centre. Alors, ici j'écris les pourcentages. Ici c'est 10%, là c'est 20%, et là c'est 10%, là c'est 108%. Non, c'est 30%. Là, c'est 10%. Et là, 10%. Et là, 10%. Voilà pour cet exercice. On a terminé. Il faut le réviser bien parce que vous en aurez ça l'année prochaine et l'année d'après. Et puis, au lycée. À bientôt. À une autre séance, il nous reste encore une autre séance. À bientôt.